Mana yo mwijuru urakwiriye. Mana yo mwijuru urakwiriye. Mana yo mwijuru Yesu we urakwiriye Mana we. Mana yo mwijuru urakwiriye. Mana yacu Mana urahambaye Yesu we. Mana yo mwijuru urakwiriye. Mana yo mwijuru Yesu we urakwiriye. Mana yo mwijuru urahwanye nawe. Mana yacu urahambaye Yesu we. Mana yo mwijuru urakwiriye. Mana byiringiro byacu urakwiriye Yesu we. Mana yo mwijuru haleluya. Mana yo mwijuru Mana urahambaye Yesu we. Mana yo mwijuru urakwiriye. Uracyariya Mana ivuga bikaba. Uracyariya Mana itegeka bigakomera. Uracyariya Mana yo ivuga bikaba. Uracyariya Mana itegeka bigakomera. Uracyariya Mana ivuga bikaba. Uracyariya Mana itegeka bigakomera. Uracyariya Mana ivuga bikaba. Uracyariya Mana itegeka bigakomera. Mana imbaraga zawe zirakomeye. 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 Mana imbaraga zawe zirakomeye. Zirakomeye. Mana imbaraga. Mana imbaraga zawe zirakomeye. Manawe, 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 quand ils sont arrivés dans ce pays vers lequel ils avaient fui, celui qui était le chef de la famille, Elimelech, mourut. Des fois, les gens se retrouvent dans des problèmes. Et soudainement, d'autres problèmes surgissent et accentuent la douleur. Elimelech mourut. Naomi abahindutse umupfakazi. Naomi devint veuve. Kandi asigaranye imfubyi ebyiri. Et elle est restée avec deux orphelins. Bibiliya ntabwo ivuga imyaka bari bafite. La Bible ne précise pas l'âge de ces deux fils. Ariko uyu wabaye umupfakazi nawe agerageza kwidebruya. A essayé de se débrouiller. Ashingira abahungu be babiri. A marié ses deux fils. Ariko ntabwo yashoboye kujya gushaka abageni mu muryango yakomotsemo. Mais n'a pas pu aller leur chercher des épouses dans sa famille. Yashatse abageni muri icyo gihugu bari barimo. Mais leur a trouvé plutôt les épouses dans le pays où ils étaient. Twebwe abasomyi ba Bibiliya tubita ngo ni abanyamahanga. En d'autres mots, nous qui lisons la Bible, nous les appelons les étrangers. Abahungu be yabashakiye abamowabukazi. C'est-à-dire que ses fils ont épousé des Moabites. Bibiliya ibavuga n'amazina.
et la Bible. Ikavuga ngo umwe yitwaga Orpa undi akitwa Ruth. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Abahungu barashyingiwe. Et les fils étaient mariés. Ariko muri icyo gihe ibyago bihamagara ibindi. Mais à ce moment-là, les malheurs ont appelé d'autres malheurs. Abahungu babiri nabo barapfa. Les deux fils sont morts. Hari ibyago biba ku muntu akibaza ngo mana ngo ingibingingo wabikunze kubera cyangwa wabikunze ute wabyemeye ute. Des fois les malheurs arrivent à quelqu'un, la personne commence à questionner Dieu, pourquoi tu l'as accepté? Ariko Imana ikora uko ishaka. Mais Dieu est souverain. Kuko ni umukumbi wayo. Parce que c'est son peuple. Ni umusaruro wayo. C'est sa récolte. Niyo rero igomba kugena ibyayo. Et c'est lui qui doit prévoir. Imana rero igena uko ishaka bene data. Et Dieu prévoit comment faire les choses. Uramutse ugeze mu kibazo ntukavuge ngo Imana yandekuye reka da ntabwo yakurekuye ahubwo nuko ari naturel nuko turi mwisi. Si tu te retrouves face au problème, ne dis pas que Dieu t'a relâché, mais c'est parce que nous sommes dans le monde. Et là, Naomi vient d'avoir beaucoup de malheurs. Le veuvage qui lui était pénible. Et les deux orphelins, ses fils, se sont mariés, mais ils meurent. Et elle reste avec ses deux belles filles. Et les deux filles n'acceptent pas de retourner dans leur propre famille et lui disent, nous allons rester avec toi. Mais dans ce monde, les nouvelles vont très vite. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide. On fait une petite chose et ça parcourt le monde. Mais à leur époque aussi, ils avaient une façon de communiquer. Naomi aza kumenya yuko iwabo mu gihugu yavuyemo I Betlehemu. Et Naomi a su que la d'où elle venait à Bethléem, qu'il y en avait ceux de sa famille qui étaient encore vivants. Et que là-bas, il y avait la pluie et le soleil, et qu'il y avait la récolte, et que Dieu leur avait donné de bonnes récoltes. Et en d'autres termes, il a appris qu'il n'y avait plus la faim et qu'il y avait la récolte. Et dans ces moments de prière, elle a pris la décision de retourner vers sa terre natale. Ceux qui savent estimer les distances disent que entre Bethléem et Moab, là où ils s'étaient réfugiés, il y avait 80 kilomètres. Aujourd'hui, c'est facile, on peut y arriver facilement, mais dans leur temps, ils devaient traverser le désert. Dans la prière, puisque les Israélites priaient en ce Dieu, elle a résolu dans son cœur, elle a aidé à remplir son cœur de retourner dans sa terre natale. Et c'est en ce moment-là qu'elle a appelé ses deux belles filles. En leur disant, nous avons vécu ensemble pendant plusieurs années, vous étiez déjà habitués à moi et vous m'aidiez beaucoup. Mais le moment est arrivé de nous séparer. Parce que moi, je vais retourner à mon lieu d'origine. Les nouvelles que j'ai, c'est qu'il n'y a plus de famine là-bas. Et vous aussi, vous devez retourner dans vos familles. Parce que là d'où je suis venu, nous prions un seul Dieu, le Dieu du ciel. Quant à vous, vous priez beaucoup de Dieu et vous avez des idoles. Notre histoire n'est pas la vôtre. Niyo mpamvu rero kugira ngo mbananize njye kubikoreza imitwaro y'iwacu ni musubire mu miryango yanyu
C'est pour cela, au lieu de vous faire porter mes fardeaux, retournez dans vos familles. Et moi, même si je suis vieille, je vais. Aravuga ati aba bantu bajyanye sinzi niba bazabishobora imico yacu reka basubira iwabo nanjye nje kwirwariza. Mais ils étaient déjà en chemin quand elle a pris cette décision là parce qu'elle s'est dit sûrement ces personnes ne vont pas s'habituer à nos coutumes. Bombi ntibabyemera baravuga ati oya tuzajyana nawe. Toutes les deux n'ont pas accepté. Ariko bigezaho arabahata. Mais à un moment donné elle a mis la pression sur elle. En disant, nous n'avons personne d'autre pour vous épouser. Et moi, vous voyez que je suis déjà vieille. Je ne pourrais pas enfanter même si je trouvais un autre mari. Je ne peux pas enfanter des garçons et vous ne pouvez pas les attendre jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et je vais vous conseiller retourner chez vous. Et les malheurs que je vais avoir sur le chemin pendant ces 80 kilomètres, je vais les vivre seul au lieu de mettre le fardeau sur vous. Orupa, ati, mubyeyi, igihe kinini, none ubu ngubu zibyaye mahari, komeza urugendo, urabeho, nsubiye mu muryango wacu, aho tuvuga ururimi rumwe, aho dusenga imana zimwe, aho uvuga ari kijyana, urabeho, ngaho komeza urugendo, nanjye nsubiye iwacu. La Bible nous dit que Orpa a dit nous avons vécu ensemble, maintenant on peut se séparer, partez en paix, moi je retourne chez moi. Mais Ruth a dit pour moi ce n'est pas le cas. J'irai avec toi. Si j'observe ta faiblesse, personne ne pourra prendre soin de toi. Moi, je suis déjà habitué à toi et je vais avec toi. J'irai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Tes amis, tes connaissances, ils seront les miens. Là où tu mourras, je mourrai. Si tu meurs avant moi, je t'enterrerai. Et si je meurs avant toi, tu m'enterreras. Nous serons séparés par la mort. Même si c'est l'alliance que j'avais faite avec ton fils que nous serons séparés par la mort, moi aussi, maintenant, je la fais avec toi parce que tu as été pour moi une bonne belle-mère. C'est vrai qu'il y a des avantages chez mon père, chez ma mère. Il y a un héritage dont je devais me réjouir. Mais je veux aller avec toi. Ce qui t'appartient sera mien. Et ce qui m'appartient t'appartiendra aussi. La détresse que tu auras sera mienne. Naomi rero kubera yuko yavugaga ati oya sinshaka kubarushya ubwo noneho arabyemera avuga ati okay ubwo uri yagiye ngwino wowe dukomezanya urugendo niba ubyemeje. Même si Naomi disait qu'elle ne voulait pas leur mettre le fardeau sur leurs épaules, elle a dit, puisque tu es résolu de le faire, viens. Chers chrétiens, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce chemin que nous avons commencé est un chemin de tribulation, de douleur, de combat. Mais puisque Jésus
a promis de demeurer avec nous, il sera avec nous en toutes choses. Niyo mpamva abiyemeje kumukurikira nawe yemeye kuzababera igihome gikomeye akababera urutare rwose akababera ingabo ibakingira akababera byose kuko Pawulo yaravuze ngo Kristo ni byose kumufite. C'est pour cela que ceux qui se sont résolus de le suivre, il a promis d'être pour eux une muraille, une forteresse, un bouclier, parce que Paul a dit que Christ est tout pour ceux qui l'ont. Ruth s'est résolue de partir avec Naomi. Quand elles sont arrivées au lieu d'origine de Naomi et de son mari. Birumvikana ko Naomi yari yaravuye ari umugore ukiri muto ari umugore w'igishongore ubyibushye wariye neza umeze neza nta ngorane. Ça se comprend que Naomi avait quitté ce lieu quand elle était encore une jeune femme bien vivante qui avait une bonne vie. None agarutse ari umukecuru ushaje nyirabukwe w'abakazana bangahe afite minkanyari yarashaje kandi uko yavuye yambaye siko aragarutse yambaye kuko yahuye n'ubukene bukomeye cyane aho yari yarasuhukiye. Cette fois-ci elle revient étant déjà une vieille femme qui a déjà deux belles filles et qui sûrement a des rides et qui n'est pas habillée de la même manière dont elle était habillée quand elle est partie. Ngo abagore bo kuri village abagore bo muri ako gace bakaje bavuga ngo nguri ari Naomi kubera iki uko babonaga yavuye aho hantu atari ko agarutse bakibaza niwe siwe yaba ari we nuvango bagenda baryana inzara bagenda bongorerana hirya no hino ariko bimugezeho aravuga ati munyitira iki Naomi kuko Naomi bivuga ngo wagiriwe ubuntu uri kujuhisa imigisha y'Imana wahiriwe ahubwo ntimukongere kunyita Naomi mujye munyita Mara washavuye wibabariye wuzuye agashavu nyiramashavu ibintu nk'ibyo. Et les femmes du village se disaient les unes aux autres, est-ce Naomi? Elle n'est plus la même, c'est sûrement elle. Alors elle leur a dit à un moment donné, ne m'appelez pas Naomi parce que j'étais celle qui était dans l'abondance et maintenant j'ai l'amertume, je suis malheureuse. Appelez-moi celle qui est amère. Birashoboka yuko inzu bari bahafite nyine basanze barayishenye, birashoboka yuko amasambu bari bahafite basanze abandi baragiyemo kuko kera ari byo bitaga gucikura cyangwa se wasigaye umuryango wagasigarana ibyo wagiye, birashoboka ko yasanze nta kintu gihari noneho wenda bakamugirira ubuntu bakamwubakira akantu ajyamo birashoboka ko byagenze. C'est possible qu'au moment où elle est retournée là-bas, elle a trouvé que peut-être la maison n'était plus là ou que la terre qu'elle possédait était exploitée par d'autres personnes. Ce serait peut-être passé ainsi. Igitumye mvuga gutyo nuko igihe cyageze uyu mudamu wafuje umugabo afebwo baramaze kuba bapfakazi deja uyu Rusi akabwira nyirabukwe ati aho kugira ngo twicwe n'inzara aho kugira ngo twandavure dusabe twimye reka jye ukiri muto njye njya guhumba aho ingano zeze aho abasaruzi bamaze kunyura njye ngenda ntoragura kamwe tuzabona imidutunga kuko Imana usenga Imana yanyu kwekwe twa dufite ibigirwa abana byinshi ariko Imana yanyu nzi neza yuko irebera abapfakazi ikarebera abatishoboye ikarebera abadafite kivurira nzajya ntoragura kamwe hanyuma izo twahu izo nahumbye nze abari zo zidutunga jyewe nawe mukecuru. À un moment donné, Ruth lui a dit, au lieu que nous mourions toutes les deux de faim, permets-moi d'aller glaner dans les champs et de trouver un peu le reste qui a été laissé par les moissonneurs. Et le Dieu que tu pries, parce que nous prions, chez moi nous prions beaucoup de Dieu, et le Dieu que tu pries nous fera vivre. Nous sommes toujours sur la parole qui dit « Se rendre humble précède l'élévation ». Ntabwo uyu Naomi yaje avuga ngo muve mu byanjye ngo mwarihohoje nimuvemo oya ahubwo yaremeye ajya guca bugufi ajya kugera hasi cyane. Naomi n'est pas retournée en disant quittez le lieu, quittez ce que je possédais, mais elle s'est rendue humble.
kandi uyu Rusi nawe ntabwo yavuze ngo mukecuru rero ntabwo nari nzi ko ari kubimeze ngo mu byukuri rwose naribeshye mbabarire ngiye gusubira ya nama wangiriye niyo ngiye gushyira mu bikorwa oya ntabwo ari kuyavuze ahubwo yaravuze ati turasangira ibyo dusanze reka njye kugara reka njye guhumba njye ntoragura kamwe ariko utwonzanye twose nzatuzana dusangire. Et Ruth n'a pas dit, c'est pas à ceci que je m'attendais, je retourne chez moi. Mais elle a plutôt dit, j'irai glaner et j'apporterai le peu que j'aurai eu et nous allons le partager. Wauri hano wubatse urugo, emera gusangira duke n'uwo mwashakanye, kuko ubuzima ntabwo tuzi aho bwerekeza abantu, ariko twaba duke, twaba twinshi, nimusangire. Muri kumwe muri byinshi ni mubane no muri duke mugezemo cyangwa mu buzima mugezemo. Toi qui es ici étant marié, sache comment partager le peu que tu as avec ton conjoint ou ta conjointe dans la vie que vous avez aujourd'hui. Ubwo rero Rusi ahindutse umuhumbyi. Alors Ruth devient la glaneuse. Ariko noneho ngo abasaruraga basarura mu murima w'umugabo witwa Bobazi wari umuherwe icyo gihe. Mais ceux qui moissonnaient dans les champs de Boaz qui étaient riches, on remarquait qu'il y avait une fille qui venait après eux, qui glanait. Et le chef des moissonneurs a ordonné aux moissonneurs de laisser de temps à autre une partie de la récolte pour qu'elle puisse en procurer. Le moment est venu où Boaz est arrivé. Et se promener dans ses champs. Et c'est là qu'il a vu Ruth en train de glaner derrière les moissonneurs. Et a demandé au chef des moissonneurs qui elle était. Aramubwira ngo ni wa wundi wazanye na Naomi kuko inkuru yari yamaze kugera hose ko Naomi yagarutse. Il lui a répondu, c'est Ruth, et le nom lui a dit quelque chose, et il s'est souvenu que Naomi est déjà revenu. Et le patron a ordonné qu'elle puisse venir et qu'il puisse partager et qu'elle continue à glaner après. Umuhumbyi cyangwa umuja w'abaja wahindutse umuja w'abaja yashoboye kwicarana ku meza n'umuherwe mu rwego rwo hejuru witwa Boaz. Et c'est comme cela qu'une glaneuse, une personne très humble, a pu aller à la table de Boaz qui était puissant. Parenthèse gatoya. Ouvrons la parenthèse gatoya. La parenthèse. Uyu Boaz ni umuzukuru wa Rahabu. Ce Boaz était le petit-fils de Rahab. Kandi Rahabu mwibuke ko ari wa wundi watumye Yeriko ifatwa inaritagurika kubera ko yahishe abatasi bari baje gutata bavuye hakurya ya Yorodani b'Abisirayeli. Et c'est Rahab qui a caché les espions quand la ville devait être détruite. De Jéricho. De Jéricho. Ubwo rero yageze aho ngaho bari instara arakira aratunganirwa ibintu byinshi cyane ariko nta mugore yagiraga nta nuwe yari yarashatse. Et ils sont venus, ils se sont installés, mais ils n'avaient pas de femme. Dufunge parenthèse none twari twafunguye. Et fermons la parenthèse. Ubwo rero mu gihe yari aho ngaho Boaz kuri ayo meza. Et pendant que Boaz était là à table, nibwo yavuze ati twumvise ibyabaye kuri Naomi tumenye urugendo yagize tumenye ibyago byamubereho mu busuhuko aho yasuhukiye. Et c'est là qu'il a dit je sais ce que Naomi a enduré et les problèmes qu'elle a eu. None ndashaka kuba namugirira neza. Et j'aimerais lui faire du bien. Ubwo nkubonye umuturutseho. Et puisque tu viens d'elle. Hano kwisi muri ubuzima hari igihe umuntu akugirira neza
atarakuzi ahubwo kubera so cyangwa donc kubera umuryango ukomoka akavuga ati eh urumwana wa kanaka orara ngwino ngwino ibintu nkibyo bibaho hano dans cette vie dans ce monde on peut te faire du bien à cause du nom de ton père ou d'où tu viens. Uko rero niko Boaz yabwiye Rahabu ngo pardon yabwiye Rusi ngo komeza uhumbe byitwe ko ari uguhumba ariko ngwino dusangire utu donc imbuto zabaye griye tusangire hanyuma nurangiza urasubira mu bawe. Et c'est ainsi que Boaz a dit à Ruth viens, nous allons partager. Tu seras appelée la glaneuse, mais tu vas quand même partager avec moi et après tu retourneras vers les tiens. Si vous continuez à lire la Bible, Ninako yibukaga tari ko rero nubwo ndi ku meza y'uyu muherwe ariko mfite mabukwe nasize noroshe nasize ndyamishije nijye uza kumuvana kuzuba cyangwa mujyana kuzuba reka nawe uko nshira mu kanwa kanje aba ariko nshira biraya nakoresheje bibiliya y'ikinyarwanda yavuze ngo mu gikondorero na materi matagikoreshwa ubu ngubu akashyira mu kanwa ke ariko agashyira no mu gikondorero yibuka yuko naza gutaha ari bushyire nyirabukwe. Ruth, pendant qu'il était à table, était sûrement en train de se dire, même si je suis en train de manger, je me souviens qu'il y a ma belle-mère qui est restée, et peut-être elle est à l'extérieur au soleil, c'est moi qui vais la faire entrer dans la maison. Elle mangeait, elle gardait à côté aussi pour sa belle-mère. Il y a des gens qui connaissent la pauvreté. Imana yabatera iteka bazamuka batangiye kugira imifuka iremereye cyangwa konti ziremereye bakibagirwa ko hari abo babanye cyangwa si inshuti zabo cyangwa bene wabo bo mu mubiri bo bari gupfapfana babuze icyo bafata n'icyo bareka. Mais dès que Dieu leur donne de l'argent et que leurs poches sont remplies, ils oublient qu'il y a leurs proches ou les gens de leur famille qui n'ont pas de quoi se nourrir. Natwe abakirisitu nous aussi en tant que chrétiens. Iyo turi mu bibazo, iyo turi mu ngorane, turapfukama, dusenga Imana, turatakira Imana uko bwije uko bukeye, tujya mu byumba by'amasengesho, ariko none byabazo byarangira, hehe no kureka kwigeze kugira ibibazo. Quand nous sommes dans des problèmes, nous prions et nous crions à Dieu, nous allons dans des chambres de prière, mais après ces problèmes-là, nous oublions même que nous avons une fois eu ces problèmes. Ubwo rero Rusi umuherwe Boaz amaze kumusezerera, ngo yageze mu rugo nyirabukwe abona nyine arasuka ingano ati zo bite bimeze bite ati no ati nahuye n'uwitwa Boaz uyu munsi nahumbye mu murima witwa Boaz izo nahumbye nazizanye ariko yampaye n'izindi z'ubuntu hanyuma nicaye no kumeza yiwe twasangiye uyu munsi bingibwo ubona biri griye ututu ubona dukaranze nutwo twasangiye urumva Imana yari yamuteye iteka. Et quand Boaz a renvoyé Ruth chez elle, elle est partie chargée de blé ou d'orge grillé, arrivée près de Naomi et lui a demandé, mais d'où est-ce que tu as eu cette orge ou ce blé grillé? Et lui a raconté que c'était Boaz qui lui avait fait du bien. Dieu fait des grandes choses, frères et sœurs. Uyu Naomi abwira umukazana we ati uwo Boaz rero ni mwene wacu wabugufi w'umugabo wanjye. Le moment est arrivé où Naomi a dit à Ruth, so Boaz et c'est quelqu'un de très proche de mon mari. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu bagomba kunshungura ariko ndashaje ntabwo nshobora gushyingirwa nawe. C'est parmi ceux qui devaient m'épouser, mais je suis vieille, je ne peux pas. Il lui a donné des recommandations de comment elle devait se conduire et quelles paroles elle devait utiliser. Vous trouverez tout dans la Bible. Dans notre culture, on dit qu'il faut toujours une recommandation pour les mariages.
Mais ça, c'est dans le temps. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens se marient avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées sur Internet ou sur d'autres réseaux. Le moment est arrivé où Ruth est retournée chez Boaz et s'est présentée et il s'est souvenu de ce nom-là. Ils ont sûrement une manière de dont ils ont dit cela dans leur temps, mais ils ont conclu que c'est Boaz qui devait épouser Ruth. Ariko Rusi pardon ariko Boaz aravuga ati nubwo ndi mwene wanyu wabugufi nari nemereye kuba nabikora ariko harundi mwene wanyu wabugufi cyane kundusha nuko banza tukamubaza uko bimeze. Mais Boaz leur a dit, c'est vrai que je suis quelqu'un de très proche, mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche que moi et nous allons d'abord le consulter. Ahongaho ni muza gukomeza gusoma Bibiliya muraza gusoma uburyo byagenze n'uburyo uwo ngo uwo mucunguzi wa bugufi yahaye recommandation Boaz ati rwose ndakwemereye wowe genda ukomeze projet izo projet zikomeze gyewe nta ngaruka yindi ubwo rero Boaz noneho akomeza ibirebana na fiançaye nyine yo kwa Rusi. Si vous continuez de lire, vous trouverez que finalement, celui à qui on avait demandé d'épouser Ruth a donné l'autorisation à Boaz de le faire. Boaz a chingiwe na Rusi. Et Boaz vient d'être marié à Ruth. Imani bahumugisha ngo bababyaye umuhungu wa mbere witwa Obedi. Dieu les a bénis avec un premier fils qui s'appelait Obed. Rusi arokonesa nyirabukwe. Ruth a reconnu uwo mwana ngo aragendera aramumuhanye ndubwo aramusengera birumvikana musabira umugisha. Il a confié son fils à sa belle. Noneho nababagore bavugaga ngo uyu se ni abari nawo mugarutse uyu ni Naomi ibintu nk'ibyo. Noneho baravuga ati Naomi noneho habaye Naomi ntago akiri mara nyine nkuko yari abyiyise. Noneho abonye nawe akuzukuru mu buryo bw'igitangaza. Et les femmes qui disaient Naomi, c'est une femme qui a eu des problèmes. Elle disait cette fois-ci, elle vient d'avoir un fils de façon miraculeuse. Et ils ont demandé beaucoup de bénédictions pour elle en disant qu'une grande postérité vienne de cette femme parce que quand Dieu agit, il n'agit pas à moitié. Celle qui était la glaneuse qui marchait après les moissonneurs, elle devient la propriétaire et devient à la tête des moissonneurs. Si tu honores Dieu, il t'élève aussi. Si tu te rends humble, tu ne peux pas être confondu. Parce que tel que Dieu était hier, il est aujourd'hui et il sera toujours. Ce n'est pas un Dieu qui cause la honte à son peuple, mais il se glorifie en tant que Dieu a fait des grandes choses et tout est allé en ordre. Celle qui était en bas des autres, elle est devenue très riche. Kukuru muribuka ko yavuye Moab uwitwaga umunyamahanga kazi none hahubwo nawe abo abaye umwene gihugu kuburyo yabaye umwe muri base kuruza cyangwa banyira kuruza b'umwami Dawidi. Celle qui était étrangère devient maintenant et devient légalement habitante du pays et elle fut la grand-mère de David. Dieu l'a honoré et Dieu l'a élevé. Et c'est ainsi que Dieu opère. Les semaines passées, nous avons vu comment Dieu a honoré David. Celui qui était méconnu.
le berger des moutons. Mais voilà, il était loin pour devenir roi. Et celui qui était berger devant roi. C'est un miracle, frères et sœurs. Nous aussi, en tant que chrétiens, il y a des choses auxquelles nous nous attendons que nous ne connaissons pas. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, tu n'as pas droit au découragement. Ne te décourage pas tant que tu es encore vivant. Tu n'es pas autorisé. Tu n'es pas autorisé à dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vers qui aller. Tu n'es pas autorisé à dire ça. Ne te lamente pas parce que celui qui t'a appelé, il sait tout ce qui est devant toi. Nous avons un Dieu qui connaît tout de nous. Même si dans ce monde, nous avons des problèmes et que nous ne savons pas comment nous y prendre, mais Dieu est là. Le Dieu que nous prions est puissant. Comme il a honoré Naomi et Ruth alors qu'elles avaient un nom d'opprobre et il les a élevées. Ceci s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit, Jésus nous dit, vous êtes mien et je suis avec vous. Et partout où vous serez avec vous. Car Jésus contrôle cette planète. En d'autres mots, si Naomi était restée dans les lamentations, elle ne serait pas arrivée là où Dieu voulait l'amener. Elle ne serait pas devenue la grand-mère de David. Elle ne serait pas devenue la grand-mère des chrétiens parce que Jésus vient de cette lignée-là. Et ce que Dieu fait n'a pas de formule. Ne commence pas à estimer en disant ça viendra de telle voie ou de telle voie. Parce que vous voyez que Ruth vient des étrangers. Mais elle est devenue grand-mère de David. Et notre roi Jésus vient de cette famille. C'est pour cela que Jésus a le même héritage pour nous. Que nous soyons dans la bonne vie, que nous soyons dans la vie amère, sachant que nous avons un Dieu puissant. Jésus s'occupera de tout, ne craignez rien. Comptons seulement sur lui et mettra tout le reste en ordre. Que Dieu vous bénisse. L'humilité précède l'élévation. Et c'est celui qui s'humilie, qui reste proche de Dieu afin qu'il puisse l'honorer. N'attends pas que les hommes t'humilient parce qu'ils vont le faire très durement. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et continuez à avoir un bon dimanche et continuez à avoir un bon séjour dans cette marche vers le ciel et que Jésus continue à nous faire du bien, à être près de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous venons d'entendre ta parole et nous venons de voir comment tu opères ici. Quand tu fais, quand tu dis une fois, ça se réalise quand tu ordonnes. C'est pour cela que nous confions entre tes mains pour être dirigé par toi. Parce que ta main n'est pas courte pour ne pas agir.
Et ton oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre les prières des saints. Fais-nous du bien et bénis-nous. Car de rien, tu fais des choses importantes. Tel que tu secourais ceux qui nous ont précédés dans ce voyage. Fais-le pour nous aussi. Aide-nous et sois près de nous. Dans tout ce que nous faisons, garde-nous de nous décourager. Mais que nous voyons, nous sachions que tu es un Dieu tout-puissant. Donne-nous l'humilité afin que toi seul sois élevé. Nous demandons dans ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Que Jésus vous bénisse, frères et sœurs. Aboyachu, gusha barasoo.